Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing du nouveau parfum d'Inkunex 2.0 qui est enfin disponible à Nocibé, donc en France. Ça faisait un moment qu'il était disponible déjà aux États-Unis, mais donc 3 mois plus tard, il est enfin disponible en France à Nocibé. Donc là derrière, vous pouvez voir le Inkunex original que j'ai mis derrière. Donc voilà, ça c'est Inkunex original. Donc aujourd'hui, on va ouvrir parce que je n'ai pas encore ouvert. J'ai juste enlevé le film plastique pour aller plus vite. Et j'ai commencé à ouvrir là parce que je savais que j'allais mettre une heure avant de l'ouvrir. Donc la boîte, ce côté-là, c'est pratiquement le même que l'original. Juste il y a 2.0 en blanc dans gros. Et qu'elle est un peu holographique comme Cloud. Elle est vraiment magnifique cette boîte, elle est vraiment magnifique. Donc sur les côtés là, il y a le 0 et là le 2. Ensuite derrière là, c'est ça Ariana Grande, elle est magnifique sur cette photo. Donc cette boîte, elle est beaucoup plus belle que celle du Inkunex original, moi je trouve. Je trouve qu'elle est beaucoup plus belle que l'original. Donc le Inkunex 2.0. Et donc ça, c'est la même chose, je crois. C'est juste que celle-là, elle est en couleur. Dans l'original, le cœur, il est tout blanc. Voilà, donc j'ai pas le choix. En fait, il existe que en 30 ml. Donc on va l'ouvrir. On va le découvrir ensemble. Alors attendez, je vais le sortir. Je vais sortir le socle. Il est magnifique celui-là. La bouteille, elle est un peu comme le Moonlight. Elle brille. Et donc, c'est la même que le Inkunex original. C'est juste les couleurs qui changent. Mais je pense que je préfère celui-là que le Inkunex original. Parce que niveau bouteille, je trouve qu'il est beaucoup plus beau. Regardez. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, mais je sais pas pourquoi je trouve qu'il est beaucoup plus beau le 2.0 que l'original. Donc je vais le sentir, attendez. Oui, en effet, je crois que je préfère celui-là. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, les deux odeurs, c'est pas du tout les mêmes. Elles sont totalement différentes. Celui-là, il a plus l'odeur de... un peu comme God is Woman, mais peut-être un peu plus sucré. Alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes odeurs. Donc les deux, c'est des 30 ml. Celui-là, je l'ai acheté en 30 ml. Et celui-là, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'existe qu'en 30 ml parce que c'est un peu comme une édition limitée. Même si maintenant, elle n'est plus vraiment limitée vu que vous pouvez l'acheter à peu près partout. Mais c'est un peu comme une édition limitée. Et donc voilà, donc bientôt normalement sur ma chaîne il y aura une vidéo où je vous montrerai tous mes parfums de Ariana Grande. Et je sais pas là, quand c'est qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo d'un nouveau parfum. Normalement le prochain qui devrait arriver c'est Cloud Intense chez Nocibé. Mais on ne sait pas encore, il est même pas encore arrivé chez Douglas. Puisque normalement les parfums d'Ariana Grande, ils arrivent en premier chez Douglas et un mois après, ils arrivent chez Nocibé. Donc voilà.